Salut Obi, c'est Dot de Hurla Studio, comment ça va ce soir? On est de retour en live, ouais, on lève tous les mains, ouais, pardon. Alors, ça va mieux, oui, ça va mieux, ouais, une bonne semaine bien, voilà, en PLS, hein. J'étais pas bien, mais ça va mieux. Ah, c'était donc ça, bah oui, si t'oublies, tu vois, c'est physique. Il faut une tarte à la crème entre ta main et son visage, sinon c'est pris comme une agression physique. Alors qu'une tarte à la crème, ça passe pour... Voilà. Salut Johan, tu vas bien? Alors, Covid vaincu, bah écoute, c'est la troisième fois que je le chope, je commence à en avoir un peu ras le cul, tu vois, je sais pas, c'est Pokémon attraper les tous, quoi. Et bah les deux premières fois ça allait, celle-là un peu moins quoi, mais oui après voilà. T'es en PLS pendant 4 jours, tu bouges plus, t'as mal partout, t'es fatigué, puis voilà. Après ce qui était vraiment bizarre, c'est que j'ai perdu l'odorat et le goût, et ça c'est très très spécial comme truc. Ah la différence c'est que sans la tarte à la crème c'est 5 ans de prison, c'est ça. Aïe aïe aïe, et vous comment ça va? Je peux vous dire que ça fait bizarre, hein, pendant une semaine de papin, pas de live ni rien, on prend ses petites habitudes à force, hein. Salut Ness, tu vas bien? Petite nature, coucou les jeux de la comté. Oui, bah petite nature, écoute, voilà, je suis un faible, moi, tu sais, il y a un moment. Bon, on est en live, on reprend le Marvel Day du mercredi soir. Ouais, je vais vous montrer, on a encore plein de trucs à peindre. J'ai changé de boîte, la boîte est plus assez grande, ça commence à s'entasser. On va voir un peu ce qu'on va peindre ce soir. Je croyais t'avoir donné envie de reprendre les pinceaux. Bah oui, mais entre l'envie et tu sais, je prends mon pinceau, puis. Ah non, je vais me coucher. Mais t'as vu, j'ai recommencé mon tort là. Enfin, je vais vous le montrer. Mais oui, après j'ai peint un petit peu, mais tu sais, j'ai peint. Je peignais genre 20 minutes et puis j'allais me coucher. C'était vraiment par intermittence, quoi. Bon. Alors, on va passer sur la vision caméra. On va regarder. Alors, voilà. J'ai pas mis les décors, mais vous voyez, niveau Marvel, on a encore de quoi faire. Hein. Ça a bien avancé, mais voilà. Et du coup, j'ai pas remis les votes. Je les remettrai à partir de la semaine prochaine. On va voir ce soir ce qu'on va peindre. Je vais regarder un peu de ce que j'ai, puis en fonction de mes envies. Je vous avoue qu'on va essayer de reprendre doucement. On va pas, je vais pas prendre une figurine trop compliquée. Parce que j'ai vraiment passé une semaine quasi sans toucher un pinceau quoi. Ah, on dirait ma boîte. Ouais. Et la pile de la honte Marvel. Et celle-là, c'est la petite boîte. Parce qu'il y a les grosses boîtes de Warhammer 40 000, merde, Age of Sigmar, de Song of Ice and Fire. Tu sais, voilà, ces boîtes de plastique qui s'entalent et puis. Les décors en moins. Bah les décors ils sont posés sur ma table, voilà. Mais j'en ai pas beaucoup, j'ai juste les décors de la boîte de base et puis bah le camion Deadpool. Hein. Moi niveau décor j'ai pas trop investi, faudra que je le fasse. Bon du coup dans cette boîte, on a un peu de plein de trucs. On a les dernières nouveautés. J'hésitais à sortir Scarlet Witch. Parce que mine de rien, faudra que je la peigne. Alors, je peux vous montrer parce que j'ai quand même peint les figues pour un client. Alors, c'est du tabletop, hein, pour pas trop se prendre le chou, mais au moins on voit les figurines à peu près ce qu'elles donnent peintes montées. Donc Scarlet Witch, alors pour le coup, pour ceux qui l'ont, je vous conseille vraiment d'arriver à fixer un petit peu les faisceaux de plastique sur la figurine, parce que sinon c'est un enfer. Et de peindre du coup, bah, la fixe séparément des trucs. Donc on a Scarlet Witch qui a été peinte. Hein. J'ai peint en speed aussi, pareil, c'est tout du tabletop. Hein, Monsieur Quicksilver, je trouve pas la figue exceptionnelle. Pour le coup, elle est pas compliquée à peindre, mais voilà, je suis pas un gros fan. On a fini. Donc, je lui ai peint aussi son câble. Moi, j'ai déjà peint le mien, hein, vous l'avez vu en live. Je lui ai peint son Deadpool également. Mais ça, pareil, on l'a déjà fait en live. Et je lui ai peint son Sinister. Et Sinister est plutôt sympa en fait, niveau figue à peindre. Du coup, là, j'attaquerai sûrement le mien prochainement. Bonsoir, coucou Merlin Pimpin! Ça y est, t'as fini ton start collecting Eldar? Donc, du coup, moi de mon côté, pour ma reprise en peignant tranquillement, je ne l'ai pas fait en live. J'ai commencé à peindre mon top. Alors, attendez, je vais pousser la boîte qu'on puisse mettre à distance.
Donc il me restait encore plein de choses à faire, mais je voulais vraiment prendre le temps sur cette figue parce que je l'aime bien. Donc c'est pour ça que je n'ai 1, 2, 3, je ne la peins pas en live, mais on pourra se faire ça à l'occasion aussi. C'est pas un souci. Mais voilà, donc j'ai commencé mon torche, je le finirai tranquillement dans mon coin. Et du coup, ce soir, alors moi, il y avait Venom qui me tentait bien. Voilà, c'est une des figurines des premières versions, mais au moins elle est tranquille. Qu'est-ce qu'on a en fixe sympa et tranquille aussi? Bon, il y a Daredevil, mais il est pas... Et pauvre. J'ai Taskmaster que j'aime bien aussi. Pour être sympa à peindre ce soir. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a un truc. Salut Théodric, tu vas bien? Qui ne l'aime pas? Le plus puissant des Avengers. Ouais. Mais moi, quand il est allé dans le vaisseau pour dire je suis le plus puissant des Avengers, ça va pas marcher. Voilà. Donc Taskmaster à Luke Cage. Luke Cage, donc je l'ai peint pour mon client aussi, et je l'ai trouvé super sympa à peindre, il est super agréable. Donc Luke Cage, c'est pareil, on va le mettre de côté. Sinon, mais ça, bah, du coup, c'est en mode prise de tête, dans le sens où voilà, ça va être long et tout, donc je pense pas qu'on va faire ça ce soir, mais Iron Man et Captain America, je les mettrai de côté à l'occasion, pour qu'on les fasse, parce que c'est quand même des figurines emblématiques du jeu au final, donc on fera ça. Ouais, bah je pense que c'est pas mal. Sinon, on a Sin aussi. Sin, elle est plutôt sympa à peindre. Je l'ai trouvé plutôt cool. Donc, je me dis, on peut peindre ça ce soir aussi. Elle est pas forcément super cool. Luke Cage. Et bon, on peut faire Luke Cage. Hein. On peut faire Luke Cage. Allez, on va pour Luke Cage. Hop. Alors. Je vais juste aller chercher, parce que j'ai jeté les boîtes évidemment. Je fais le tri des fois chez moi, je sais pas si vous, ça le fait. Mais j'entasse les cartons, les boîtes de figurines et au bout d'un moment c'est n'importe quoi. Et moi j'ai pas de poubelle à carton. En fait, je suis obligé de les sortir une fois par semaine dans la rue. Il y a le truc à carton qui passe. Donc des fois, bah, quand les clients ils m'envoient leurs commandes et puis que j'ai les miennes et tout ça, bah, j'ai des piles de boîtes sans déconner qui font 1m50, 2m de haut et qui s'entassent à côté de chez moi. Yellow Power, ouais, bah putain, et puis ton Luke Cage, du coup, il est super cool, Johan. J'ai vu que t'as peaufiné un petit peu le jean, tout ça, là. Ça va, d'ailleurs, tu te reposes bien, là? Ça va un peu mieux, ou... D'où Jésus, Swiss Christmas, motherfucker. Galerie. Alors, je vais juste... J'aime bien... Alors, ce que je fais, avant de peindre une figurine... souvent je vais sur le site d'Atomic Mass Gaming tout simplement et je vais revoir vite fait la figurine parce que moi déjà j'aime bien voir les figurines qui sont relativement fidèles et ça permet de revoir des fois des petits détails qu'on n'a pas vu, qu'on a oublié, genre typiquement sur la figurine de Luke Cage quand j'ai revu celle de Yuan, bah, j'avais oublié qu'il y avait une boucle de ceinture devant parce que eux ne l'ont pas spécialement mise en avant donc Hop. Mais ouais, hop, on va se faire ça. Faut que je le sous-couche. Puis on sera bien. Alors, est-ce que le focus, il se fait correctement? Yes. Yann, oui, très sympa ton look. Juste le pantalon de jean, un poil trop bleu à mon goût. Ouais, après, moi j'aime bien encore. Après, je vais essayer de le rendre un peu plus jean moderne. Moins jean vieux jean. Je vais voir, on va essayer. Hein. Ok, comme d'hab, les figues de Akisan sont top. Yes, de toute façon, il y a plein de figurines cool sur le groupe. Puis j'ai vu que là, une semaine d'absence, entre guillemets, il y a plein de nouveaux, donc c'est cool. Il y a plein de nouvelles personnes, il y a plein de gens qui peignent. Il y a plein de gens qui peignent. Pardon. Mais ça, c'est parce que je suis un casse-couille. C'est vrai que les boxards ne montent pas assez les délais. Montent pas assez les détails. Yes. Bah, c'est la discussion qu'on avait eue avant que je tombe malade, d'ailleurs. Sur le fait que... voilà. Clairement, c'est pas un problème de capacité du... De... Merde, de, comment il s'appelle? De Dallas. Parce que Dallas Kempt, c'est un super peintre. Je pense que c'est... Voilà. C'est voulu pour éviter que les gens qui achètent les figurines et qui les peignent se disent « Ouah, c'est trop compliqué ». Mais ce qui est bien, c'est que les détails sont quand même là. Donc pour ceux qui ont envie de prendre le temps et de s'amuser, au moins on peut quoi.
Hop là. Du coup, je vais essayer pareil, maintenant qu'on a déconfiné, de rejouer un peu là. Et on va voir un peu. Je vais essayer de voir avec Dark Framboisé, pareil, pour qu'on refasse des parties, puis essayer de se réorganiser des live vidéos. D'ailleurs, donc les différents peintres qu'il y a là qui passent, donc je vous propose à vous deux déjà, Akisan et Nico, mais si bien entendu d'autres personnes sont intéressées. Si jamais vous voulez faire des battles de peintres, alors c'est pas des battles de peintres parce que pour moi on fait pas d'opposition avec des peintres, mais si ça vous dit de faire des duos, des triplés de live à l'occasion, n'hésitez pas, on a testé ça avec Merlin Pimpin. Moi je trouve ça super sympa parce que voilà, on peint puis on discute en même temps. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, puis on peut s'organiser ça à l'occasion. Hein. Hop. Donc je vais sous-coucher mon Luke Cage. C'est de la peinture accessible pour être vendeur. Exactement. Oh là là, j'ai failli faire une grosse bêtise. J'avais le tuyau de mon aérographe qui était sous mon pied de lampe. Et le type est trop cool en plus, ouais, Merlin Pimpin, c'est un mec chelou quand même, je trouve, hein. Il aime bien les « Avec César !» Ah ben, dans l'absolu, oui, si ma connexion le permet. Oui, ben après, tu sais, de toute façon, moi, je suis toujours sans fibre. D'ailleurs, j'ai appelé SFR et je leur ai fait « Vous voulez pas me filer une clé 5G ou une clé 4G ?»« Ah ben non, mais pour ça, il faut que votre box, elle marche plus. » Je dis « Ben, je peux la débrancher, c'est pas un problème. » Ah, apparemment, sous 2 mois, je suis censé avoir la fibre. Et voilà, c'est annoncé. Ils ont dit, il y a le communiqué de la ville qui est arrivé le 6 juin. Et ils disent, c'est un délai de 2 mois pour l'installation dans les bâtiments. Donc, on va voir. Avec plaisir, mais pas tout de suite, car un peu sous l'eau. Oui, je comprends bien ça. Mais de toute façon, il faut toujours que... Yoann, j'ai 2 trucs à voir avec toi en plus. Il faut toujours que je fasse ton interview. Donc c'est pas tombé à l'eau, hein, c'est toujours là, mais voilà, faut que je prépare ça. Et puis faut que je te vois pour ma figurine. Toi aussi, moi c'était sous 2 mois, il y a 6 mois. Mais me porte pas la poisse, Nico, putain, fais pas ça, c'est pas sympa. Hop. Non mais on va dire que c'est bon, j'ai mes voisins de derrière, donc qui sont pas du tout au même numéro que moi, mais qui l'ont déjà, donc je me dis avec un peu de chance. Moi, je crois. Salut les moches. Salut Toons, comment tu vas? La forme, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Hop. Moi aussi, la maison de l'autre côté de la clôture, là. Bah voilà, c'est exactement pareil. C'est, en fait, c'est le bâtiment qui est... Moi, je suis au 6 rue de la Madeleine. Et le bâtiment à côté de chez moi, c'est le 20. Mais il est à côté, il est vraiment juste derrière. Et en fait, j'ai croisé ma voisine l'autre coup, puis on discutait. Puis, enfin, l'autre coup, il y a un petit moment maintenant. Puis elle me dit, oh, moi j'ai la fibre. Je dis, bah, moi je l'ai pas. Elle me dit, mais on est à côté. Je dis, ouais, mais c'est pas le. Voilà. C'est pas le même bâtiment, c'est pas la même rue. Donc. J'avoue que ça fout les nerfs, ça. Hein. Là, en mode, putain. Hop. Je vais faire un petit zénithal. C'en est où mes Gugus? Bah du coup tu vois j'ai chopé le Covid, donc là pour le moment c'est un peu en stand-by, je reprends la peinture depuis hier, très exactement. Donc voilà. Mais tu les veux pour la peau Toons ou parce que si. Enfin voilà, après je les fais le plus rapidement possible, mais il me reste 2-3, il me reste à. Comment? À boucher les trous, on va dire ça comme ça. Alors.
Alors, on va faire un zénithal au blanc, parce que comme je vais peindre du jaune, comme ça, ça sera un peu mieux. Ché ! Non, pour ma vitrine. Ah. Elle a de la chance, ta vitrine, quoi. Alors, j'avoue que j'ai un tout petit peu de retard sur mes commandes. Quand je dis un tout petit peu, c'est 2 semaines de retard, du coup. Donc, on va faire vite. Mais dis-nous, tu as perdu le goût. Comment tu vas faire pour différencier la scale de la Valero? Eh hey. Au moins, comme ça, quand je goûte du marron, bah, je sais pas que c'est un goût de merde. Non, non, mais je l'ai récupéré, mais c'est vrai que... Alors, le goût, je l'ai récupéré. C'est l'odorat où il y a encore... voilà, je sens que j'ai encore des odeurs que je sens pas trop. Mais c'est vraiment spécial comme situation. Hein. C'est... Quand tu bouffes et tu fais... Je sais absolument pas ce que je mange. Ce qui est chelou, c'est que je savais si c'était sucré ou salé. J'avais l'information, mais je n'avais pas le goût. Enfin, c'est un peu bizarre de dire comme ça. Et du coup, bah voilà. C'était cool. Tu manges des pâtes à l'eau, bah ouais, c'est bien. Hop là, alors j'ai insisté un poil plus que d'habitude, parce que comme je vais le peindre ben, sombre hein, au niveau de la peau, ça n'a pas trop d'importance, et du coup, ben, pour mon jaune, au moins j'aurai un jaune qui pète. Pète sa maman! Hop là, ouais. Pensez à nettoyer son aéro avant de le ranger, hein. Et puis là, le temps commence à être beau. Hein? Maintenant que je suis vacciné contre mon gré, je vais pouvoir aller boire des bières en terrasse. Hop, allez, on est bon. Alors... ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire le jaune. Je vais sécher un peu. J'hésite au niveau du jaune. D'habitude, je pars donc sur un ocre et que j'éclaircis au jaune. Peut-être que je vais faire pareil. Ou alors, je vais partir sur un jaune direct un peu poussin. Attendez, je vais regarder ce que j'ai comme jaune. J'ai un jaune mat là qui a pas l'air dégueu. Parce que j'ai le jaune intense, ah, il est pas mal ce petit jaune mat là, c'est un jaune bien un jaune d'œuf. Par contre le pot a l'air un peu vieux. Bon, l'aide de pot. Faites voir. On va regarder. Oula. Ouais. Alors ça, vous voyez ce genre de pot. C'est des pots que j'ai, mais quand je dis depuis 15 ans, c'est des pots que j'ai depuis 15 ans. Les pots qui sont comme ça, c'est des pots que j'ai voilà, depuis ado. Et du coup... Ouais. Bon, celui-là, je crois que... On va leur mélanger un peu, mais... Cab, c'est la fique la plus chiante à peindre de MCP, à mon avis. Oh, je trouve pas, moi j'ai bien aimé le peindre. Il est long. Il est super long, par contre. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était la plus chiante, toi. Soit tu le travailles en addition, éclaircissement, soit en soustraction, lavis. Ouais, ouais. Bah, d'habitude, je fais, voilà, ocre jaune avec mon petit lavis de sépia, je rééclaircis à l'ocre et puis au jaune. Jaune-jaune. Mais là, j'ai bien envie d'avoir, voilà, une base. Ouais. Ouh, vous voyez, ça, c'est de la bonne vieille peinture de 15 ans, ça. C'est encore utilisable, hein, mais c'est épais de chez épais. Hein. La vache! Un petit peu de peinture, là.
Voilà, vous voyez? Regardez. Eh. Et après, il y en a qui disent, voilà, que Prince Auguste, c'est de la merde. Ben non, voilà, j'ai un pot qui a 15 ans. Qui est toujours utilisable. Hop. Alors, je vais partir sur une base. Sur mon ocre jaune quand même, mais je sais pas où il est. Jaune intense, je l'ai utilisé l'autre coup, il est là. Puis on foncera ça un petit peu avec un marron rouge pour le coup, pour garder un peu la chaleur de la figue. Donc un pot qui a 17 ans, vu que PA c'est du Valero de 2 ans. Ouais, j'ai mis... Je sais pas si t'as remarqué, j'ai mis au moins 3-4 secondes à comprendre ce que tu disais, j'étais là, mais Valero, ça a pas 2 ans comme marque, ça existe C'est le... Ah oui, d'accord. Alors, par contre, avant de commencer, je m'excuse, je vais juste changer mon eau et j'arrive. Hop là, on est tout bien. Allez, go monter Iron Man et Captain Marvel. Yes. Elles sont boudées ces figues, je sais pas pourquoi, alors que moi je les aime beaucoup. J'ai toujours pas mon Iron Man, mais Captain Marvel. Bon, on va éviter de faire le syndrome Magneto, hein. Là. Bon, sinon, vous avez regardé l'épisode de Loki ou toujours pas, les gens là? Faites des news pour Angela. Alors, je suis allé voir au jeu de la Comté s'ils en avaient, donc au JDC, ils en ont pas. Et j'ai demandé à Julien, mais là, il m'a dit je vais regarder parce que, tu sais, comme je t'ai dit, pour ces histoires de stock là, ils sont en train de refaire. Donc, je sais pas où, je t'avoue que je sais pas où ça en est, mais il a noté ma demande. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra vers moi. Parce que bon, c'est un peu con d'avoir des figurines en stock et qu'elles soient pas sur le site, quoi. Mais oui, j'ai demandé. Sachant que la figue est pas notée sur le site, il y a de fortes chances qu'il en ait pour le coup. N'hésitez pas pareil à me dire si la musique est trop forte ou quoi. Normalement, c'est bon, mais... Alors, on va laisser bien sécher, par contre. Utilise des copeaux de plastique débarbage. Je cherche à simuler du fromage râpé fondu. Quelqu'un a une idée? Ouais. Enfin, pour le coup, ouais.
Tu prends avec un cutter et tu racles tes trucs de plastique. Je pense que ça marche bien. Ça fait trop copeaux de chocolat en fait. Ouais, je pense que c'est parce que c'est trop épais. Que tu sois un peu plus fin que tu. Je pense en raclant, vraiment en raclant avec un cutter, ça doit faire plus fin. Le coup du percé, j'ai pas essayé, on va travailler. C'est pour mettre sur les tacos, c'est ça? Avouez, c'est trop bien. Il file genre 10 millions de tacos avec la figue. D'ailleurs, je suis en train de penser, je repense détails, tout ça, finesse. Je suis quand j'ai pas mon tort là, je suis allé un petit peu sur internet voir ce qui avait été fait, tout ça pour avoir de l'inspiration. Je suis allé voir le tien, Yohan. Tu t'es bien amusé pour le pantalon, ça va? T'étais motivé. J'ai plié un tacos avec Deadpool en garniture. Bah ouais, ils en filent plein, il faut les utiliser. C'est Discordia là qu'on a foutu partout. Ah, c'est pas des tacos, c'est des. Comment ils appellent ça? Des chiamalam? Chimigambas? Et puis le nom. Hop. Allez. Je vais ressécher un coup, puis on va faire un lavis. Bah oui, je m'amuse. Ouais. Non, mais j'ai vu le pantalon, j'ai fait. Mais, et il n'y a pas d'écaille sur mon pantalon, le mien. C'est toujours comme ça. Tu regardes les figurines des gens, puis des fois, tu regardes la tienne, tu fais, mais, il n'y a pas ça sur ma mienne. Bon, déjà, depuis que j'ai mes lunettes, je vois les yeux des gens, des figurines, c'est déjà bien. J'ai fait un cercle de green et mis une buse de Deadpool et une tête et j'ai plié mon green stuff comme un tacos. Ça fait un tacos bourré au Deadpool. Mais t'es pas gentil! Garde-le, franchement. C'est un conseil, garde-le ton idée et t'attends que le fléau y sorte. Ok, alors, je suis pas en train de mettre de l'aéro, hein, je me sers de l'aéro pour sécher. On va faire un petit lavis et pour changer, je vais prendre un petit jus Valero justement. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est les washs qui sont faits pour le weathering et tout, mais ils sont sympas parce qu'ils sont assez fins. Et du coup, voilà. Après, il n'y a pas toutes les teintes, mais il y a les petites teintes de base, marron, sépia, etc. Donc, c'est pas celui-là que je voulais. Voilà, c'est celui-là. Mais n'hésitez pas, ils sont sympas. Moi, j'aime bien. Pour le weathering, c'est top de chez top. Ça marche bien à l'aéro, un peu comme leur métallique. Par contre, voilà, le seul défaut de ce genre de wash, je sais pas si vous voyez,
les bras là. Mais comme c'est super fin, vous mettez une goutte, bah du coup ça se balade partout sur la figure quoi. Là, j'ai tous mes bras, heureusement que je vais les repeindre. C'est pour ça que j'ai pas fait les bras en premier. Putain, mais il veut pas faire le focus correctement. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai tout le wash là qui va dans les interstices du bras. Donc voilà, c'est le seul défaut des encres très fines, plutôt fines comme ça. C'est que ça se balade beaucoup. C'est pour ma domino. Hein. Trop bien ces wash, ouais. Moi j'aime bien. D'ailleurs, pour ceux qui sont en live, mais bon, si c'est pas déjà fait, Nico a sorti une vidéo sur les propriétés de la peinture. Je vais simplifier un peu ça comme ça. Et les différentes marques. Et je vous conseille vraiment d'aller la voir. Parce que pour le coup, Nico a vraiment extrêmement bien résumé la discussion que j'ai eue avec certains d'entre vous il y a bah, genre un ou deux lives avant que je tombe malade. Sur la peinture, que en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise peinture, c'est juste des produits qu'il faut vous approprier. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est exactement ma pensée sur la peinture. Et du coup, faites-vous votre avis sur les différents produits, etc. Et vous faites pas avoir par les gens qui vous disent ça c'est de la merde, alors que la moitié de la planète peint avec ça. Hop. Ouais, c'est séché un peu. Alors, sécher les wash à l'aéro, ouais, mais de loin. Parce que sinon, vous allez pousser la peinture dans des zones que vous voulez pas. Donc, faites-le. Voilà, vous voyez, genre sur le dos. Je sais pas si vous voyez la petite goutte qui se balade. Hop, quand je fais ça. Donc ça... Là, mon but c'est juste de teinter ma couleur, donc c'est pas très grave si je bouge mon jus. Après, si vous êtes patient, bah, laissez sécher. Hein. Alors, bon, on va repartir sur notre base d'ocre. Donc toujours pareil, on part toujours sur le haut des volumes, toujours vers le haut. Pas très très compliqué, faut juste y faire, et c'est pas parce qu'il y a un creux qu'il faut pas le peindre. Il est bien musclé, hein, monsieur Luke Cage, là. Hein. Lui, il va à la salle, hein. Ça se voit, hein. Il est pas comme moi, quoi. Focus. Ah. Ah. Attendez. Je vais faire un truc. Donc là, normalement, c'est le focus numérique qui travaille. Ça devrait être mieux. Et là, pour une fois, je vais peindre le dos. T'as vu ça, je vieillis. Ouais. Tu sais, il arrive un âge.
Un ajout, on sait plus écrire apparemment. Yay, d'ailleurs. Si tu savais, moi et l'orthographe, par exemple, pas que je m'en fous, mais je fais pas attention et genre les fautes d'orthographe que je fais des fois. Même moi, quand je les vois, je dis, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça, Clément? Donc pour le moment, c'est très. Vous voyez que c'est très, enfin, très jaune-marron, hein, mais ça va devenir jaune après quand on fera nos éclaircissements. On va éclaircir au jaune. Hop là, tiens, la petite goutte de la vie qui était pas sèche. Donc je disais, ouais, vous avez regardé Loki ou pas? Ça a l'air vraiment, en termes d'ambiance, un peu particulier. Alors, je vais mélanger un petit peu mon wash avec mon jaune pour refaire correctement certaines ombres. Par contre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais une semaine sans peinture, ça fait du mal, hein. Après, quand on reprend. On fait plein de bêtises. Donc là, je commence un peu à tirer ma peinture pour faire mes petites lumières, pour préparer un peu justement ma zone d'éclaircie après. Là, pour le moment, on est toujours dans notre couleur de base. Notre Midtown, comme on dit. J'essaie de rattraper ma bêtise de tout à l'heure. Puis un petit peu là les côtés. On sait très bien qu'AMG, ils sont très connus pour leur ligne de moulage. Ok.
Là, je vais commencer à insister un petit peu. Je vais éteindre mon compresseur. Et ce qu'on fera, je vous montrerai une petite technique pour ceux qui veulent après. Quand on fait des choses comme ça, après à l'aéro, on peut venir dire lisser notre travail. C'est une manière super simple de venir en fait, on va dire, faire un peu de propreté dans notre peinture. Ok. Alors. Maintenant que j'ai ma couleur de base, là je vais commencer à éclaircir. Vous voyez que derrière pour c'est très nuancé, on va dire contrasté. Alors que devant je suis beaucoup plus. Là on a l'impression que c'est un peu sale. Alors que devant je suis beaucoup plus basique. Pourquoi une encre rouge et pas violette? C'est pas la ref. Une encre marron. Toi la Villette, Bernard de la Villette. Là je vais mélanger mon ocre avec mon espèce de jaune, jaune poussin. Violette. Ah ouais, mais après je vais venir foncer au violet certaines zones, mais je voulais vraiment avoir une teinte un peu marronnée sur le t-shirt. Mais oui, pour les ombres vaut mieux mettre du violet que du rouge. Après pour le coup ça va dépendre un peu du rendu que les gens veulent, je trouve, parce que techniquement les deux marchent, même si le rouge est plus chaud que le violet. Hop là. Galère, soit je regarde ma fille, soit je regarde le live. Impossible de faire les deux. Mais sinon, tu peux panne ta fille et simplement écouter les conneries qu'on raconte. Genre, on peut raconter plein de conneries. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme conneries?
Voilà. On a raconté des conneries. Donc là, j'éclaircis un petit peu plus mon haut. Mais vous allez voir ce qu'on va faire après. Ça va être trop bien. Hop là. Donc vous avez remarqué que pour le moment, on peint ça un peu comme un dégueulasse. Éclaircir un petit peu. Ok, alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon aéro. Genre une de bois. Alors, j'ai un peu loupé. On peut raconter que samedi, ça va se friter pour avoir le droit d'acheter les fantômes de Gon qui auront une dotation de merde en magasin. Ça, il y a un moyen. Bon, après, Ouais, si, il y a quand même pas mal de joueurs GI, mais je pense que ça va, ils ont dû faire le stock. Genre une ou deux boîtes par shop, je parie. Ça dépend, c'est toujours pareil. Si on s'y prend plus rapidement. Coucou Scolia 25. Il faut des gens noirs pour que le cam focus toute seule sur la fille. Le cadrage, ouais. Excusez-moi, attendez. Je suis en train de nettoyer mon aéro. On va pousser un peu la palette pour le cadrage et on va faire comme ça. Normalement, on devrait être un peu mieux. Ouais, c'est le problème. Alors, je vais prendre mon jaune. C'est pas celui-là que j'ai pris comme jaune. C'est ça. On va le délouer. J'ai le numéro de tel de Fig Wargame enregistré dans le fun, donc si à 11h il n'y a rien sur le shop, j'appelle. Mais ils ont pas fait de précommande dessus? Sur le site? Enfin après je sais pas. Plus de problème. Achète un caméraman. Faut avoir quelqu'un qui filme tout le temps quand je suis en train de peindre, ça va être chiant. Non mais en vrai c'est un peu relou le cadrage, j'avoue. J'essaye de m'améliorer là-dessus mais... Et là. Je viens lisser ce que j'ai fait. Avant de commencer à faire mes extrêmes highlights. Voilà. Oui.
Ça, par exemple, pour lisser les NMM ou le blanc, les trucs comme ça, bah, c'est tip top. Comme ça, après, on aura juste à revenir mettre un peu d'ombre à des endroits. Et on sera bon. Alors, je vais prendre de la chair claire que je vais mélanger à mon jaune et un peu de blanc. C'est pas du tout de la chair claire, ça. C'est du beige. Les gants noirs, chef, ça aide. Alors, je ne mets pas de gants parce que je suis allergique. En fait, ça me file de l'urticaire. Je transpire dedans et j'ai plein de boutons après. C'est une des raisons pour laquelle je ne peins pas avec de gants. Alors, je vais juste changer de pinceau. Je vais prendre mon bon pinceau. Hein? Alors, je viens de voir un truc, j'espère que c'était pas mon bon pinceau. Non, il est là. Ok, là niveau cadrage, on devrait être bon. Faut être indulgent, les gars, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Déjà que de base, le cadrage, c'est pas mon truc. Alors, imaginez là, hein. Bonne soirée à tous. Bon allez, pas tout ça, mais j'ai encore 12 000 trucs à faire avant ce soir, donc je vous abandonne là. Bonne peinture Clément, à très vite. Et bah bonne peinture à toi, bon montage, bon tout, et à bientôt. Donc là, simplement, je redéfinis mes volumes. Après, il a une espèce de colle. On va essayer de le faire ressortir un peu.
Ok, maintenant je vais prendre un peu de blanc. Et vraiment. Bon, certaines zones, mais vraiment à certains endroits. Petite pointe de blanc. Ok. Ok, alors, ce que je vais faire, c'est que pour rechoper un espèce de jaune jaune, je vais faire un lavis avec un jaune et un jaune bien pétant. Quand je dis un lavis, en vrai, c'est un glacis, mais on s'est compris. Hop. Donc là, on a quelque chose qui est bien jaune jaune quoi. Et du coup, je vais remettre une pointe d'orange dans certaines ombres, mes ombres qui sont légèrement vers le haut. Pour rattraper un petit peu. Retrouver un petit peu de chaleur. Et les ombres très basses, on va mettre un peu de violet, justement. Donc là, attention de ne pas abîmer ce que vous avez déjà fait. Hein. Le but, c'est juste de mettre des couleurs dans les ombres. Voilà. Et du coup, une petite pointe de violet. Que je vais mélanger avec mon ocre et un peu d'orange.
Hop. Donc là, vous voyez, je fais des vraiment des petits glacis. Pour insister dans certaines ombres. Voilà. Ouais, on va rééclaircir un tout petit peu certaines zones. Voilà, hop, donc là on a un petit jaune, des jaunes un peu nuancés. Faut énerver tout cette promelle là. Ok, alors maintenant pour la peau. Pour la peau, j'utilise donc terre de sienne extra opaque. C'est la couleur voilà, de base des peaux noires. Et je vais l'éclaircir à la chair, tout simplement. Et en fait, en gros, la lumière des peaux noires, c'est plus ou moins, je dis bien plus ou moins, notre mid-tone à nous. Donc, un espèce de rose jaune. Donc, il suffit de mélanger un peu de chair et un peu de brun de jaune sur les lumières, quoi. Tu connais le Troll Fire Slayer Contrast? Yes, bah, la contraste, je crois que j'ai quasi toute la gamme. Après, je sais pas si c'est celui-là que j'ai en orange. J'ai un orange, mais je l'aime pas trop. Yendale Yellow. Griff Hand Orange, j'ai ça moi, mais je l'aime pas trop. Après, Fire Slayer, le orange de manière générale, tu vois, bah, j'ai mon orange game de chez Prince Auguste, c'est quasi du Fire Slayer. J'adore ce orange. Parce que franchement, comme base, pour les noirs, c'est énorme. Troll Fire Slayer Flesh. Alors moi pour le noir en base j'ai changé ma méthode. Alors avant je faisais Zenithal avec du Black Templar. Et c'est Angel Giraldes qui a filé cette recette. Tout simplement du noir avec du Dark Sea Blue. Donc bleu marine foncé. Tu mélanges un peu ton noir avec du bleu marine foncé. Et pour l'éclaircir, tu l'éclaircis au bleu gris clair. Voilà, bleu gris clair, celui-là. Et ça marche super bien. Bah, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait sur le sur Thor, tu vois. Sur les vêtements puis les bottes. Ah oui, maintenant que t'en parles, ça me dit quelque chose. Attends, je crois que je l'ai. Oui, parce que j'ai de base j'utilisais le Gilliman avant. Teinter un peu les peaux. Fire Slayer's Flesh, c'est ça que tu parles. Et toi, tu l'utilises pour quoi? Pour teinter les peaux noires? Eh bien, c'est un peu dilué, ça fait des miracles. Ok.
Je t'avoue que les contrastes, le problème, c'est que j'ai quasi toute la gamme, mais j'utilise que 2-3 pots pour certaines teintes. Genre le Wildwood, je pense que je vide des pots. Parce que pour mes bases de cuir, etc., je suis extrêmement fan de la couleur. L'Apothecary White pour le blanc, j'utilise beaucoup. Du coup, ouais, il y a plein de teintes comme ça. Après, c'est comme tout, hein. Quand on sait les utiliser, puis pour des trucs vraiment bien précis, ça marche bien. Une goutte de médium, une goutte d'eau, une goutte de contraste, et après, tu éclaircis ta peau de façon classique. Yes! Mais tu sais, le contraste, si tu fais un bon zénithal, un zénithal bien fait, que tu mets du contraste et que tu rééclaircis après, tes lumières et tout, le contraste, ça peut te simplifier la vie. Hein. Il y a plein de trucs où aujourd'hui j'utilise de la contraste parce qu'en fait, niveau méthodologie de travail, ça me facilite certaines choses. Après, bon, peindre tout à la contraste, non, je ne ferai pas ça parce que, enfin voilà, je trouve pas ça super intéressant. Mais il y a des bases de contraste qui sont trop bien. Après, moi, la contraste, je l'utilise beaucoup plus comme des glacis ou comme des lavis, tout simplement. Après, pour la recette de la peau noire, pour le coup, c'est un pote noir, enfin noir, vraiment noir de peau, qui peint, qui m'a filé la recette, il m'a dit, tu verras, c'est ce qui se rapproche le plus des peaux noires. Je peins une ponceaupe de base, je fais un jus pour ombrer, je reviens éclaircir de façon classique. Ouais, le Guilliman pour faire des jus, c'est top. Yes, ouais, le Guilliman, bah, je l'utilisais, je te dis, pour pas mal pour teinter mes peaux à la base. Après, maintenant, je pars sur une base un peu violacée. J'éclaircis directement, mais ouais, pour quand je fais des trucs vraiment tabletop que j'ai besoin d'avoir un rendu de peau rapide, c'est ce que je fais. Je fais un zénithal, soit je mets directement le Guilliman, soit je fais une base de chair rouge avec lequel je mets du Guilliman. Guilliman! Oh! Je vais te créer une commande rien que pour toi, Clem. À chaque fois que quelqu'un dira Guilliman dans le chat, ça fera un truc. Oui, parce que je peux faire ça. Je peux faire un système de bots qui repère les mots-clés dans le chat. Si un jour j'ai du temps à perdre, je fais ça. Promis. Voilà. Il est noir. Alors, pour le pantalon, je vais partir sur la recette de jean classique qui m'a été gracieusement fournie par Johan Puech. Bleu de Prusse, en base, on éclaircit avec du bleu vert et on met une touche de blanc à la fin. Donc, on va essayer de texturer un peu le jean. On va voir. Pour les peaux noires, c'est miraculeux le jeu de Fire Flesh. C'est bien la
bleu de Prusse 965 que tu utilises là, parce que le mien est hyper foncé comparé au tien. C'est ça, 965. Non, ça... Ouais, il est pas clair non plus, mais c'est pas un bleu très foncé, quoi. J'ai des bleus qui sont vachement plus foncés. Après, se coule bien. C'est jamais. Bon, après, ça m'étonnerait qu'ils se sont trompés de peau, quoi. C'est là que t'as le seul pot au monde où ils se sont trompés d'étiquette. Le mien est hyper plus dark. Ok, bah écoute. Ce que je suis en train de regarder à la caméra, mais c'est à peu près les couleurs. Bon, j'ai des nuances qui sautent. Hein, moi, c'est par exemple, c'est vachement contrasté là, alors que c'est un peu plus nuancé chez moi en vrai. Mais globalement, les teintes sont bonnes. C'est presque un bleu marine, moi. Bah, après, sur le pot, tu vois, ça paraît plus foncé que sur la figurine, quoi. Mais c'est un bleu un peu neutre. Enfin, il est légèrement désaturé. Je veux dire, par exemple, si je le compare au bleu insigne, le bleu insigne est vraiment très foncé. D'ailleurs, le bleu insigne, moi, je kiffe. Je kiffe cette couleur. Essayer de pas oublier des bouts. J'ai pas la ceinture avec parce que enfin le jean voilà remonte légèrement et du coup j'ai pas envie de me prendre la tête, je reprendrai la ceinture après. On va laisser sécher, on va revenir à la peau. Alors pour la peau, il y a plusieurs solutions. Soit je laisse comme ça et du coup ça sera ma couleur la plus foncée. Mais en fait pour le coup, Luke Cage il a une noire, enfin il a une peau assez noire de base normalement. Du coup, je vais remettre un petit peu d'agrax dedans pour refoncer légèrement la peau. Mais vous pouvez partir sur direct sur le terre de sienne. Et c'est très bien. Pourquoi j'ai pas mon pot d'agrax devant moi? C'est peut-être le seul lavis que j'utilise de manière générale. Bleu, noir. Ah, agrax. C'est... Bon, ce week-end, je vais me faire un test de la X-Force. On va voir ce que ça donne. Cable et ses copains en jeu. Ouais, et bah tu me diras ce que t'en penses. Moi, j'avoue que moi, c'est... merde. Refaire une team... Putain, pas X... Confrérie. Je cherchais X-Men, non. Confrérie, avec Scarlett et tout ça. Sinon, je tisse très bien aussi la team Cabal. La nouvelle Cabal. Avec Sin. Avec que des petits persos de merde qui font bien chier. C'est parfait, la cabale là. C'est exactement ce que...
Donc là, je mets de la Grax, c'est pas pour mes ombres, c'est vraiment pour pareil, pour retinter un petit peu la peau, parce que je la veux un poil plus foncée. Si vous la voulez vraiment très foncée, vous mettez du Noil, mais moi je trouve que ça devient trop foncé après. On n'est plus dans des peaux ébène, mais on vient sur des peaux très 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 noires. Hop. Vous voyez déjà là, ça teinte la peau vraiment très foncée. Mais pourquoi ils ont coupé les bras de Captain Marvel en deux? Là, c'est parce qu'avant, ils faisaient des figurines, elles étaient chiantes à monter, Cyril. Et puis, tu vois, ils ont fait un mec qui s'appelle Baron Zemo et une nana qui s'appelle Shuri. Qui fait que quand tu les montes, bah, t'es très en colère. Non, après, je sais pas si vous avez acheté les dernières figues, mais bah du coup, si Théodric, t'as monté câble. Mais ils ont, enfin, genre, Sin, tout ça, elles sont bidons à monter, pratiquement tout est en une partie maintenant. Ils s'améliorent, mais bon, voilà. Faut le temps, quoi. Hop. Alors. Donc pour ma peau, je vais la mélanger du noir avec un peu de beige rouge. Et après, je viendrai à la chair claire et je mettrai une pointe de jaune dedans. C'est marrant, je monte la poutre de Luke Cage dans l'autre sens, ça a l'air de marcher aussi. Bah en fait, tu sais quoi? Je crois bien que c'est moi qui me suis trompé de sens. Audric. Je suis en train de regarder la photo originale là. C'est moi qui me suis trompé de sens, mais du coup, voilà. Ça, Johan, pas Théodric. Je crois bien que. Merci de me montrer que je suis un branque et que je regarde pas les notices de montage correctement. Zemo, c'est bon, il est monté. Ce week-end, tournoi chez Maxi Rêve, ça va faire du bien de jouer. Yes, t'y vas. Moi, j'ai dit à Marco, j'étais désolé, mais que c'était un peu loin pour moi. Ça me fait faire, j'avais calculé un truc comme 1350 km. C'est un peu. Voilà. Je veux bien bouger pour les copains, les tournois, tout ça, mais là, ouais.
je monte la team choisie par les enfants pour dimanche. J'y vais en pur touriste avec des fils collés à la pâte à fixe. Ah, oh, tu peux vite fait les coller. Ouais, c'est pas très grave, hein. Tu sais, les tournois MCP, il va en avoir, hein, je pense, à force. Le jeu est bien. Les fixes sont cool, il y a plein de sorties, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait plus. Après, le problème, c'est que, ouais, Maxi Rêve, ils sont vraiment excentrés, ils sont... Nord, quoi. Après, il en faut partout, des tournois. Ok, je vais déjà commencer à éclaircir un peu ma chair. Et vous allez jouer quoi du coup au tournoi dimanche? Petit roadster qui va bien. Je vais sortir du magnéto. Ah, le sale. Tu te fais une petite team magnéto, Scarlet Witch, Vive Argent, tout ça. Magnéto, t'as une team avec des décors, t'as gagné. Magneto Lockjaw, le truc le plus relou de la Terre. Pour ton équipe de... Brotherhood, Magneto, Vif Argent, Scarlet, Todd, c'est une bonne base. Tu m'étonnes, ouais. Quoi que c'est Chaos contre le Nord, tension. rigole, mais j'avais Magneto et Modok contre une team Thanos. Ah non, mais c'est trop cher, là. T'as 2-6, enfin, quoique non, Modok, il a 5, mais c'est trop cher. Mais Modok, c'est sa faiblesse. Tu lui balances des trucs à la gueule. Modok, par exemple, n'aime pas du tout Magneto. Hein. Il se fait défoncer, quoi. T'as Magneto qui arrive, qui fait « Allez, je te balance la moitié de la table sur la gueule, il n'y a plus de Modok. » Mais non, c'est beaucoup trop cher de mettre Modok et Magneto. Comme dit Théodric, pour le coup, Magneto, Vif Argent, Scarlet, Todd, c'est une bonne base. Après, ben, je trouve là dans la team, c'est soit tu joues Scarlet, soit tu joues Magneto. Mais tu rajoutes Mystique dedans. Lockjaw.
Mine de rien, Sabertooth, il est pas si mal, hein, en vrai. Il est pas si mal. Non, mais il me jetait mon Modok sur Mega. Ouais, je sais. Moi, c'est une des raisons principales pour laquelle je ne joue plus Black Dwarf. Parce que, en fait, à chaque fois que je joue Black Dwarf, j'ai un truc qui s'appelle le plus puissant des Avengers en face, Thor, et qui prend Black Dwarf et qui me le lance sur ma gueule à chaque fois. Alors, entre le fait que, du coup, Black Dwarf n'est jamais au contact de mes adversaires, je me prends des 5D par 5D à chaque fois dans la gueule, quoi. On faisait une partie à 22 pour le délire. Modok taille 4. Ah, il est que 4, Modok? J'étais persuadé que c'était un 5. T'es sûr de ça? C'est pas un 5, Modok? Ah oui, non, taille 4. Oui, taille 4, mais puissance 5. Oui, je confonds taille et... Ah bah, quand tu te prends des taille 4 dans la gueule, c'est pas drôle, hein. Franchement, Black Dwarf, j'en avais marre, hein. J'ai vraiment arrêté de le jouer à cause de ça, parce que... Et en fait, si tu joues Black Dwarf, hein, c'est des persos comme ça que t'es obligé d'avoir des moteurs de mouvement rien que pour eux, et c'est relou. Tu le prends de 5 de dommage et hop, busted, ouais. Bah, entre le fait que lui, il se prend des dégâts, puis qu'en plus, il en met aux copains... Donc là, je suis en train de mettre ma couleur vraiment de base. Vous voyez que j'arrive presque à ma chair rouge. Et après, je vais éclaircir avec de la chair et du jaune pour les lumières. On va essayer de d'aller un petit peu plus de lumière sur le haut du crâne. On mettra du violet dans les ombres. Les peaux noires adorent le violet dans les ombres. C'est un des trucs qui fait que les peaux noires ça fonctionne. Vous mettez un peu de violet dans les ombres. Alors, on a joué pour mon pote, joue la team Thanos au complet. Ouais, putain, par contre là, ça devient violent. Full enfant de Thanos plus Thanos, c'est ça là. Si t'as de la place de mettre des pierres en plus, Je ne connais pas trop les règles, j'ai du Sabretooth, Wolverine, Captain America et Marvel Iron Man, Black Panther, Hulk, Venom et je ne sais plus. Ouais, t'as une team vachement éclectique quoi. Après, vas-y pour t'amuser quoi. Si tu as Black Panther, tu dois avoir Killmonger. Joue-le, c'est un boucher. C'est un des meilleurs DPS du jeu. Hein. Killmonger. Il te prend un truc, il te le retourne, quoi. La team Thanos, je me suis fait retourner le fondement d'une force, moi. Alors, moi, c'est vraiment ma team de cœur. De base, ce que je jouais tout le temps, c'était Thanos, Proxima et Corvus Glaive. Et puis après, j'adaptais une pierre, un petit 2 en plus. Donc à l'époque, en 2, je jouais Nebula. Mais après, ils ont sorti tous ceux qu'on connaît en 2. Donc. Elle est forte. Après, le défaut, c'est Thanos. Il faut pas. Au début, quand je jouais, je pensais que c'était un cogneur. Parce que dans les films, dans les comics, voilà, c'est un gros monstre, quoi. Et en fait, non, c'est clairement pas un cogneur, Thanos. Par contre, c'est genre un des meilleurs supports du jeu, quoi. Il TP tout le monde, il booste un peu ta team. Enfin, il est vraiment très fort. Mais par contre, en fait, avec la Black Order, il faut pas chercher à kill l'adversaire, alors que c'est une team qui est faite pour ça. Mais il faut pas faire ça, en fait. Il faut jouer les objets, et quand tu peux choper un mec et le retourner, tu le fais.
Ouais, Thanos, meilleur soutien du game. Tu lui mets une pierre et souvent je lui mets la pierre qui permet soit d'attirer l'adversaire, soit de se TP. Rien que ça, il est sale quoi. Il est super sale, il TP tout le monde. Hop, tiens, j'ai besoin d'un petit beurre, je te mets. C'est quoi? C'est plus 1D ou plus 2D son ciblage. Il est super fort. Thanos, plus le double activation dans les chicots, le boost 2D de Thanos. Alors pour le coup, moi je le joue pas avec la double activation. La pierre est un peu chère. Mais après, ça dépend à combien de points t'es. Killmonger est sympa, mais pas choisi par les enfants. Killmonger, il est cool. Alors, je vais éclaircir, donc comme je disais, avec de la chair et une pointe de jaune. Hop, on va bien diluer. On va amener nos petits points de lumière. Et puis après, on fera les transitions tranquillement avec notre couleur intermédiaire. On va mettre un peu de couleur dans les yeux.
Ok, et maintenant, je vais faire la truc. Yop, un petit coucou en passant. Coucou Raph, comment tu vas? La forme? Bah du coup, du plus 4D sur les personnages blessés. Yes, ça c'est violent. J'avais Deadpool, Magneto, Modok, Sabertooth et Todd. C'est pas mal ça. Après, mais encore une fois, Magneto, Modok, le combo, je trouve ça cher, mais... ça peut être sale. Et Bob aussi. Bob, il est trop bien. J'ai réussi à arracher un draw avec Todd à 1 PV et Bob à 1 PV. Bah, Bob, il peut pas mourir. Donc déjà, ça simplifie beaucoup les trucs. Mais ouais, Brotherhood, moi, c'est vraiment Magneto avec le bonus de vif argent en plus. Je pense que ça peut être cool. Yep, ça va. Et toi, t'es bien remis? Ben, ça va. Jusqu'à lundi, c'était encore voilà, un peu comme ça, mais là, ça va bien. Ça va bien. Faut que je reprenne le rythme maintenant. En tout cas, bon, quand tu dors pendant 5 jours, au bout d'un moment. Mais après, toutes les teams, ce qui est bien, c'est que vraiment toutes les teams sont cool. Bah, je me suis fait arracher par une team Avenger l'autre coup. Mais genre arraché de chez arraché. On a fait une partie bah, contre Dark Framboisier. Tu jouais quoi? Ah oui, Asgardien. C'est quand qu'on a le droit de te revoir? Bah c'est bon, là, depuis mardi. Donc là c'est bon. Hein. On peut se voir, on peut se faire des parties, s'organiser des séances peinture. On peut même se faire des partous si tu veux. Ok, j'éclaircis un peu maintenant. Cool, bah partie demain après-midi ou vendredi si tu veux. Demain on est jeudi donc non. Laisse-moi regarder mon agenda. Oui, parce que je suis un homme très injadeux. Demain, donc non. Vendredi, c'est bon, j'ai rien, donc on peut se prévoir ça. On se fait ça au jeu de la comté ou à la maison? Quand je dis à la maison, ça peut être ta maison ou ma maison. Une maison, quoi. Coucou Eldran, merci pour le like. Ou partout si tu préfères. Alors moi j'aime bien, je te propose une soirée pizza partout. Bon, perso j'aime pas trop la pizza, mais... je vais vous laisser, bonne fin de séance. Merci Johan, bon courage à toi et à bientôt. Bah écoute, roule pour vendredi et pourquoi pas au JDC, ça peut faire un peu de visibilité, il faut que je teste ma liste X-Men X-Force. Oh, ils sont tous là avec leur team X-Force là. Voilà, je vais me prendre un cap dans la gueule. Bah écoute, je regarderai ce que je vais jouer.
Comme je disais, j'aimerais bien retester la Brotherhood avec les nouveaux persos. Ou tester une team avec Cabal, justement. Je pense la team Cabal là, avec des petits persos et tout, ça peut être bien cool. Ok, alors maintenant que j'ai un peu éclairci, je vais foncer maintenant. Donc, comme j'ai dit, un peu de violet dans ma terre de sienne. Le violet, les peaux noires aiment beaucoup le violet dans les ombres. En parlant de partout, ça sera mon dépucelage de tournoi du coup dimanche, je suis pas branché. Compétition. Ouais, alors écoute, si t'aimes te faire enfiler. Non, mais après, il y a compétition et compétition. Tu sais, c'est toujours pareil, les tournois. Alors, quoi qu'il arrive, t'auras toujours des gros tryharders de bâtards. Après, pour le moment, les tournois MCP, à part un ou deux mecs que tu vas trouver dans le tournoi qui seront vraiment en mode. Voilà, j'ai envie de te la mettre. Ça devrait aller. Après, bien entendu, les tournois, il y aura toujours, comme je te dis, des gens qui seront là pour tryhard. Attends, Théodric, je lance Assemble et je te donne le total. Tu joues quoi comme Dark X-Men Force, par curiosité? Ça va, mon petit Chris? La forme? Faut un peu de rouge maintenant. Alors, ça va toi, tu vas mieux, j'ai l'impression. Yes, bah, c'est ce que je disais à Raph depuis lundi, à peu près lundi soir, ça va mieux. Ouais, une bonne semaine et demie quand même, KO quoi, mais voilà. Exceptional Healing, Children of the Atom, First Class, Katenemus, Medpack, No Matter the Cost, Field Dressing, Déception. Ouais, No Matter the Cost, voilà. Putain, je viens de voir que j'ai complètement pourri mon jaune. Les mecs qui jouent gros build direct, toi, No Matter the Cost. Puis tu veux pas jouer All of You Got aussi, non? Ah, par contre, du coup, ça a été nerf, hein, All of You Got plus. Comment ça s'appelle Parce que Bob, il m'a mis dans la gueule, là. Truc qui me rajoute ta défense aux attaques. Parce que ça, c'était un peu nimp quand même.
Tu joues pas All of You Got, justement? Ah bah voilà, je cherchais All of You Got. Merci. Non, c'est une carte pour les tryhards. Bah, toujours pareil. All of You Got, la carte en elle-même, je la trouve pas forcément ultra ultra fumée, mais en fonction de avec quoi elle est combotée, ça peut devenir sale, quoi. Ce perso, ce qui me choque dans ce combo, c'est plus qu'une Black Widow à 3 devienne complètement pété, voilà quoi. Voilà, on a fait un petit visage, je vous montre en zoomant. Donc, je vais juste clean un peu mon bras là. Il y a des choses qui me plaisent moyenne. Ça manque un peu de lumière là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, on va faire le reste. Alors, je vais faire un lavis de Darken Shade Blue dans mon jean pour le foncer un peu. Je suis pas obligé, pareil, mais c'est pour amener un peu de teinte un peu plus foncée dans mon jean. Un peu dégueulasse ce que je viens de dire. Vous aussi, vous aimez bien mettre une teinte un peu plus foncée dans votre jean. Usurp the throne plus all of you got. Et bah Killmonger, il arrache tout. Bah déjà, Killmonger arrache pratiquement tout déjà de base, donc j'ai envie de te dire. Mais moi, ce qui m'avait... Ouais, Bob, il m'a sorti, donc c'est avant que a priori ça soit nerf. C'était all of you got. Alors, je me souviens plus du nom des cartes. Mais en gros, c'est la carte qui fait que tu joues deux fois. Donc ça, c'est All of You Got. Et l'autre, c'est la carte qui ajoute ta défense à tes dés d'attaque pendant tout un tour. Par contre, t'as plus de défense. Mais bon. En fait, t'en as rien à foutre. Parce qu'au moment où tu le fais, bah de toute façon, t'arraches toute la team en face. Je me souviens plus le nom de la carte.
Et ça a été mis dans les cartes à restriction. Mais ce qui est bien dans le jeu, c'est que il y a, je sais pas comment dire, mais en gros, c'est un jeu qui est assez peu abusif. Ce qui fait que quand il y a un truc abusif, ça se voit vraiment. Et du coup, c'est Atomic le nerf vite. Mais c'est quoi l'intérêt du Hall of You Gods, sachant qu'il a qu'une roquette? Sur qui? Ah non, mais quand je dis Bob, en fait, on s'est pas compris. C'est un pote avec qui on joue qui s'appelle Bob. On l'appelle Bob. Et non, c'est avec Black Widow. C'est avec Black Widow, le combo. La Black Widow 3, en fait, elle a 4 en défense physique. Ok? Sauf que son attaque, son pistolet, c'est 4D. Tir rapide. Donc ça fait 4D et 4D. Sauf que tu rajoutes 4. Ça fait 8D et 8D. D'accord? Tu attaques deux fois parce qu'elle tape quand même à distance 3 ou 4, un truc comme ça. Enfin, c'est loin. Donc du coup, elle te met 8D x 2, donc 16D. Et tu rejoues derrière. Elle te met 32D. Voilà. Et derrière, même évidemment, si t'as un perso avec des rerolls, avec des dés en plus ou quoi, elle t'arrache toute la team, mais littéralement. Ah bah, Captain Marvel vole mal. Alors, si tu parles en jeu, oui, elle est pas très très rapide, en fait. Et si tu parles en réel, j'ai jamais essayé, mais ouais, il y a moyen, ouais. Oui, Captain Marvel, c'est un de ses défauts, d'ailleurs, c'est qu'elle est pas très très mobile en termes de jeu. J'adore le perso, mais elle est un peu chiante à jouer, quoi. Elle bouge de elle pourtant, il me semble. Non, non, c'est Angela, ouais. Mais Angela, c'est pareil. Tu vois, c'est un perso, quand t'as compris que ce n'est pas un DPS, elle est ultra forte. Parce qu'en fait, elle est partout sur la table. Enfin, je veux dire, tu commences à jouer Angela, puis genre, bah, le Speedy Gonzalez, là, Quicksilver. Putain, mais t'as des persos, t'es là, t'es... Ah, ils sont partout, tu joues que des scénarios avec des objets complètement éclatés. Ce que les gens aiment pas trop à la base, et ça devient nimp, t'es partout sur la table, quoi. Mouvement de L, web slaying, ça va arracher, ouais. Et à monter, je l'ai bazardé dans un coin. Ah. Mais tant de haine pour Captain Marvel. C'est un perso tellement cool. Il limite la portée des effets de leur carte pour pas qu'il ait trop de trucs pétés. Et les coups, il y a des bugs, ils trouvent rapidement des solutions élégantes pour y remédier. C'est ça. Et moi, ce que je kiffe vraiment, c'est que... Bah, typiquement, c'est l'effet crossbone. C'est que des persos qui, à la base, sont pas trop joués, parce que... Pas forcément mauvais, mais c'est toujours pareil, il y a mieux, ou genre de trucs. Bah, hop, ils te ressortent un perso avec une carte, qui fait qu'en fait, il devient super intéressant. Dans une certaine combinaison, donc Sin plus Crossbone, en fait, c'est super cool. Et Crossbone, on le voyait plus trop, en fait, parce qu'il était pas très mobile, c'était... voilà, c'était pas ouf, quoi. Et ça, moi, je trouve ça vachement bien. Mais, de toute façon, de manière générale, on a beau dire ce qu'on veut, mais Marvel, le jeu est bien pensé. Le jeu est bien pensé. C'est long à sécher là. On va avoir fini dans 10 heures. Et quand je dis dans 10 heures, je parle pas de la plateforme de streaming. Hein. Alors, on va froncer un petit peu nos bracelets là.
Après, qu'est-ce qu'il y a en perso qui est un peu boudé, qui est pas mal? Bah, tout ce qui est Venom, tout ça, c'est vrai qu'on le voit assez peu au final. Alors que Venom, je le trouve plutôt fort. Comment il s'appelle? Bah, justement, Ultron. Ultron, on le voit assez peu, alors que c'est pareil, bien joué, il peut être très très relou. Une espèce de team immortel là. Venom, je l'adore. Moi, je joue Bugs. Venom, Ghost Spider, Parker, Morales et Ant-Man. Bah ouais. Moi, j'attends. J'attends merde. Comment il s'appelle? Carnage, pour pouvoir me faire une petite team. Moi, je kifferais jouer une team symbiote. Carnage, anti-Venom, Scream, Venom. Putain, ça serait. Ça, je kifferais, tu vois. Un jour. Pareil, hein, on a regardé Carnage vite fait. Putain, sur le papier, si tu le laisses faire ce qu'il veut, il peut être très très sale. Hein. Il peut être très très sale. Ant-Man, il a la capacité d'être partout. Ouais, bah il est plutôt cool. Après, je préfère The Wasp, mais il est plutôt sympa. Après, je l'ai jamais joué. Pour le moment, je l'ai encore jamais joué, Ant-Man. Carnage, boucherie sur le papier, ouais. Bon, mais le truc... Ouais, alors tu te dis, ouais, le truc il a qu'un de défense. Ouais, non, t'inquiète. Ok, alors, petite pointe de jaune dans mon bleu là. Et on finit par du blanc. Hop, on va faire une petite contre-lumière. Très très rapide. Voilà, hein, on va pas se prendre la tête.
En fait, sur le papier, Wasp semble mieux, mais Ant-Man est plus mobile. Tu bouges de M, tu te transformes en Ant-Man Mini A1, tu bouges de 3 pour 0, tu colles une quiche à 6D et tu te transformes de 1. Ouais, ouais, ben, en fait, c'est pas le même objectif. C'est différent. Après, Wasp, elle est sympa aussi. Quand elle est petite, mine de rien, son attaque, elle pique un peu. Hein. Elle pique un peu. Ah, Tac Framboisier qui me dit qu'il a des soucis avec le live. Vous avez pas de soucis de votre côté, tout va bien. Le tout pour un point d'énergie. Ouais, mais en jeu, Wasp garde pas bien les objectifs. 1, 2, 3. Ouais, mais en jeu, Wasp garde pas bien les objectifs. C'est le constat que j'ai fait après être 4 gamins avec. Elle est pas faite pour, en fait. Elle est trop fragile. Par contre, tu vois, elle est plutôt correcte quand il s'agit d'aller les chercher. D'aller chercher un asset ou un truc comme ça. Et... Moi, je sais que, tu vois, Wasp, je la joue en E-Force pour aller trimballer She-Hulk. Une fois qu'elle a trimballé She-Hulk, elle se barre loin. Elle va chercher les petits objets qui sont au fond. Et pour le coup, pour ça, elle fait bien le boulot. Bah sur les assets, tu peux pas les porter en mini wasp. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, le but, c'est d'y aller. Une fois que tu l'as, l'asset, tu te casses. Ou tu vas prendre l'objet, tu vois. Enfin, c'est pas... En fait, c'est un espèce de perso one-shot, je sais pas comment dire, mais... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ma Captain Marvel est montée avec les pieds. Gros espace entre certaines pièces, etc. Ah, ça, c'est dommage. Pourtant, ouais, enfin, si, les bras sont un peu relous, en fait. Mais. Moi, je sais plus c'est quel perso où j'ai plus ou moins le même problème. J'ai des espaces à des endroits. Ant-Man en bon gardien de but car il peut être sur son objet en mini Ant-Man pour le garder et aller aider un pote engagé puis revenir sur son objectif pour le garder. Exactement.
C'est un peu, tu sais, c'est un peu comme Angela. Angela, c'est un peu ça. C'est la meuf, en fait, t'attends tranquillement que... Enfin, tu gardes ton objet. Ou tu vas en chercher un. Et puis t'attends que ton autre team, enfin ton autre team, ton reste de la team fasse le taf, affaiblisse un peu. Et après t'arrives et là, blah! Tu nettoies tout, tu récupères l'objet, tu te casses, tout va bien. La vie est belle. Donc là, pour ceux qui regardent la peinture, j'ai commencé à texturer un peu mon jean. Donc pour ça, en fait, je prends mon bleu, je fais des petits traits. Ok, maintenant il me faut le bleu vert que je vais mélanger à mon bleu de Prusse. Et alors je fais la même. Alors plutôt que de faire des petits traits, vous pouvez faire des petits points aussi. Mais c'est vachement plus long. Oh là là! Il y a un coup de pinceau dans le noir. Quand je dis j'ai mis un coup de pinceau dans le noir, je parle pas d'un coup de pinceau dans Luke Cage. Sweet Jesus! Ça me fait penser que j'ai même pas regardé ce qu'il faisait, Luke Cage, en termes de règles. Je crois qu'il défend pas trop mal, c'est ça, puis il peut prendre les coups à la place d'un autre, puis se TP avec Iron Fist.
Allez hop. On va mettre un coup là. Et maintenant, je rééclaircis un peu au blanc pour désaturer le tout. Et là, je vais commencer à faire les détails. Top ton jean, je dois vous laisser. Eh ben, bonne soirée. Ave César. Bah, pourquoi ça a pas fait Ave César? T'as pas fait Ave César. Ouais, je suis triste. Mais bonne soirée à toi, Cyril. Déçu, c'est qui en fait ce perso? C'est Luke Cage? Yes, 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 yes. Il est trop bien, Luke Cage. Au niveau de Marvel, j'avoue que c'est pas forcément un personnage que j'affectionne de ouf. Je suis pas très fan des Defenders de manière générale. À part Daredevil ou un peu plus, mais même les autres, Jessica Jones, tout ça. Mais on a beau dire ce qu'on veut, ce mec, il a un sacré charisme. Et du coup, la fille est vraiment cool. Donc là, je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais en gros, je texture un peu mon cuir, donc je fais plein de petits points. Mon cuir, mon jean. Et du coup, c'est un peu long, donc j'ai fait des petits traits avant, puis là, je fais des petits points. Alors par contre, pour faire ça, il faut que ça soit très dilué. Vous dites, enfin, voilà, c'est des petits points façon glacis. Vous faites ça pas façon glacis, ça va faire vraiment très bizarre.
Hop, je vais ajouter une dernière fois une pointe de blanc. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de mon super jean, sachant que là c'est pas mal zoomé. Hein. Je vais vous dire un truc, c'est que la figue elle est pas grosse quand même. Hein. Je vais mettre une petite pointe de jaune sur la fin, mais être vraiment très légère. Oh, j'ai mis du rouge dedans. Le con. On va faire. Tant pis, on va faire de l'autre côté. Allez, à bientôt. Content que tu ailles mieux. Bisous, Cyril. Alors, faites des trous en trompe-l'œil dans le shirt. La série était cool. Bah, la série, j'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé, en plus, cette ambiance Bronx, tout ça. J'ai trouvé ça super cool. Jessica Jones, vraiment bien aussi. Punisher, je trouve que c'est la meilleure des Defenders, là. Daredevil est plutôt cool. Iron Fist, à chier. Je sais pas si c'est l'acteur qui est problématique ou si c'est la manière dont il le joue, mais je supporte pas Iron Fist. Puis là, justement, la série Defender qu'ils ont fait, je la trouve pas dingue. J'étais un peu déçu. Après, la meilleure, je pense, c'est soit le Punisher, soit Daredevil dans les séries qu'il y a eu. Pour moi. Hein. Oh, il ne reste que le souffle de l'explosion au pied du champ de force de câble est fini. Yes! Alors, si je peux te donner un petit conseil, moi, sur comment j'arrive à avoir un petit rendu sympa, c'est je le fais gris, un gris neutre, avec un gris Ultuan Gray, en gros. Et après, je vais faire un premier lavis de orange. Vraiment pour que ça aille bien dans les creux et seulement dans des zones particulières, je laisse le haut gris clair. Ensuite, je fais un deuxième lavis mais plus précis avec du jaune qui aille vraiment dans les creux. Et je finis en éclaircissant, rééclaircissant avec du tuat de grès puis du blanc.
sur les zones blanches de fumée. Après, c'est voilà, c'est comme ça que moi j'ai fait. Et je trouve le rendu sympa. Donc de faire feu, j'ai du mal à ce côté flamme tout le temps. Il y a des persos où évidemment il faut faire des flammes, genre Ghost Rider quoi. Alors, pour les chaussures, je vais les faire noir. Non, mon bleu marin. Alors, genre au Cassandra Yellow, ça serait plutôt un jaune gros et orange plus précis. Non, bah, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Parce que c'est vraiment le cœur de l'explosion qui est plus vif. Qui est plus. Voilà. Attends, je vais te le sortir. Alors, en gros, tu vois, mes cœurs d'explosion, qui sont plus ou moins le... On n'a rien vu. Je viens de mettre un gros coup de pinceau sur ma figurine alors qu'il y avait de la peinture sur mon pinceau. Le cœur de l'explosion, donc qui est le centre du truc, c'est jaune, tu vois. Et après... Les interstices, c'est orange. Mais le cœur de l'explosion en lui-même, c'est là où c'est le plus, plus violent, entre guillemets, quoi. Bon, on va éviter de refoutre du noir sur des figurines où il n'y a pas besoin de faire de noir. Vous savez que j'ai pas un bel accord. Je l'ai complètement pourri, mon bel accord. Parce qu'en fait, à un moment, j'ai aspergé dans mon aéro dans un pot où il y avait de la peinture au fond. Et ça fait... Et bien entendu, il y avait quoi derrière? Il y avait bel accord, quoi. Du coup, il faut tout que je le refasse. je vous avoue que je suis un peu deck, quoi. Tu fais pas des trous de balles dans le t-shirt? Du coup, bah, non, je comptais pas faire ça, mais après avoir, on peut essayer de faire un petit effet à des endroits, quoi. Après, à la base, non, j'avais pas spécialement prévu. Je le peins de façon classique. Alors, je viens de remarquer qu'il y a un truc qui va pas.
J'adore niquer tout un travail. Juste parce que j'essaie de faire une retouche. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça fait de pas peindre pendant une semaine? Bah après on fait des bêtises. Ok. Je crois que j'ai à peu près rattrapé. Ça fait quand même jaune là. C'est dommage. C'est dommage qu'il ne soit pas sculpté avec sa veste du coup. Oh, moi j'aime bien comme ça avec le t-shirt. Moi j'aime bien après. Je sais pas, ouais, ils auraient pu faire une version avec une veste de costume, tout ça. Peut-être plus tard, hein. Peut-être plus tard. Alors, je vais faire un petit lavis de Noil sur la ceinture pour foncer un peu le cuir, pour pouvoir la retravailler après. Il y a un problème avec les couleurs affichées, là. Il est albinos. Ah ouais? Sérieux? Genre, d'un coup, le live, c'est pas les bonnes couleurs. C'est chelou ça par contre. Ça me l'a jamais fait de... T'es en train de me troller ou... Alors, pour mon cuir, on va prendre de la chair claire avec un peu de blanc et un petit peu de jaune.
Il est vraiment albinos là? Hop, il me faut mon bleu gris ciel. Hop. C'est revenu à la normale ou pas, les copains? Dites-moi. Après, il y a peut-être un décalage sur le live, du coup. Aucun problème ici. Ok pour moi. Ok. Bon, pas de souci alors. Merci. Bon, il y a quand même. Il y a l'air d'avoir un décalage, mais. Hop, on va mettre un coup de blanc là, on va le cleaner un peu. On va faire les linings, histoire que tout soit propre. Encore une fois, hein, les linings, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment quelque chose qui amène de la propreté dans votre figurine, qui redéfinit un peu les volumes. Et globalement, la règle, c'est pas très compliqué. À chaque fois que vous changez de texture, hop, un petit lining.
Donc après, vous pouvez le faire avec du noir, avec du brun, avec une couleur plus foncée que votre couleur de base. Tu as remis un coup de blanc sur le dessus des volutes d'explosion. Yes. Ouais, j'ai remis un coup d'ultuan et de blanc après. Ok. On va faire les poutres de Bamako. Dans le thème en plus. Sweet Christmas. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Alors, on va faire un peu de sketching. Donc là, je peins dans le frais directement pour pas m'embêter. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est de la peinture dans le frais, c'est quand on n'attend pas que sa peinture soit sec, sèche, 1, 2, 3, pour venir rajouter une autre peinture dedans. Ce qui fait que c'est plus facile en fait de faire des dégradés. Donc c'est une des solutions pour faire des dégradés d'ailleurs. Ça me permet de pas trop me prendre la tête. Comme ça après je vais venir faire mes éclaircissements. Alors je vais laisser sécher avant de commencer la continuer la suite. Putain, je vais en profiter. Hop, hop, on switch de figurine.
fais pas le motif sur le marteau. Après, je ferai... Quand tu parles du motif, tu parles des éclairs ou... Après, dans tous les cas, je veux pas le faire trop, trop bleu, comme on voit beaucoup. J'ai envie de garder un côté un peu neutre. De manière générale, tout ce qui est OSL, tout ça, je vous avoue que je suis pas un gros fan. Après, il y a OSL et OSL, quoi. Je sais pas ce que j'ai pris comme blanc, j'ai dû prendre mon blanc enfin d'aéro. Les runes. Ah bah non, de base je crois pas qu'il y a de runes dessus après. Parce qu'il y a des runes sur Mjolnir de base. Je t'avoue que je suis pas allé voir. Juste pour les pour t'embêter. Non mais après je peux aller regarder hein. Ça peut être sympa justement, ça peut changer un peu. Faire une petite rune plutôt que de faire cette OSL là. Allez, hop, on repousse Thor. On a bien avancé sur Thor. On a fait un manche de marteau. Je trouve que franchement, on avance super vite, les gars. Alors. Encore tout à fait sec.
Alors, on va mettre de la lumière au niveau de la pliure. Là, on va attendre que ça sèche et on mettra des pointes de blanc pour faire ressortir ça. On viendra mettre un peu de comment? De weathering dedans. Un peu de rouille, des conneries dans le genre. On sera pas trop mal. Allez, pour sécher un peu, je vais mettre un coup d'aéro. D'ailleurs, on va profiter pour le nettoyer. Parce que je vais en avoir besoin pour le vernis tout à l'heure. Savoir que quand je fais quand je mets du vernis à l'aéro, j'augmente la pression de mon aéro parce que le vernis est très gras, donc du coup j'ai besoin que la pression soit forte pour que le vernis parte un peu mieux. Tu viens de te faire strike sur YouTube visiblement. Ah, pour la musique? Bah pourtant, ouais. C'est tout. Après, c'est two step from hell, mais j'avais regardé. Apparemment, c'était pas très chiant vis-à-vis de ça, mais... Du coup, si c'est le cas, on va changer de musique. Hein. Hop, attendez. Putain, c'est chiant ça. Par contre... Hop, la musique était un peu forte. Après YouTube, ils sont un peu relous parce que, en fait, même quand tu démonétises ta chaîne, elle est quand même monétisée. Donc en fait, je suis démonétisé hein, sur YouTube puisque je m'en sers vraiment que pour les rediffs et puis pour les gens qui préfèrent regarder sur YouTube. Mais il y a marqué, voilà, ne peut pas monétiser ta chaîne, blabla, t'as telle musique, blabla, qui pose problème, parce que c'est monétisé. Je suis là, mais en fait, je suis pas monétisé, parce que de toute façon, je n'ai pas assez d'abonnés sur YouTube pour pouvoir le faire. Et il y a marqué, comme quoi, je ne veux pas être monétisé, mais ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Je ne sais pas, c'est revenu. Bah, du coup, j'ai changé la musique, au cas où. Après, de manière générale, je vous conseille avec moi, bah déjà, si vous voulez m'aider au niveau de la chaîne, façon de parler quand je dis la chaîne, privilégiez Twitch que YouTube.
parce que sur Twitch justement j'ai ces histoires de vues tout ça, alors que YouTube m'en fiche un peu. Il faudrait que je fasse l'inverse en vrai si je voulais être youtubeur, mais je ne veux pas, c'est pas mon activité principale, je fais vraiment ça pour discuter avec vous, partager. Et puis Twitch, bah, du coup normalement je balance sur Twitch et c'est ensuite Twitch qui redistribue au reste. Donc normalement sur Twitch vous avez pas de problème. Streaming suspended for police violation. Voilà, de nouveau suspendu. Ok. Bah, ils font chier, mais... Je vais virer ce blanc de merde là, il recouvre que dalle. Vachement mieux ce blanc là. Hein. Non mais effectivement, je vais fêter sur Twitch, la qualité est meilleure en plus. Ah. Après, je sais que voilà, y en a qui préfèrent YouTube, hein. Mais clairement, YouTube, c'est pas vraiment une passerelle qui est faite pour les lives. Hein. Ça pose plein de problèmes tout le temps. Ouais, genre typiquement les droits d'auteur à la musique là, ça me saoule un peu quoi. Tu peux rien mettre. Mais quand je dis tu peux rien mettre, en gros, toi genre là, j'ai regardé donc Two Step Rommel, c'était normalement une playlist qui posait pas de problème. Et apparemment. Mais c'est en se faisant U qu'on ne se fait plus U après, c'est ce qu'il faut se dire. Je vais en profiter pour remettre mon blanc là. Putain, mais c'est le jour et la nuit ce blanc. Alors juste un truc, ouais, ça m'arrive des fois. J'ai deux pots de blanc et j'en ai un où c'est du blanc d'aéro en fait. Et bah clairement il recouvre que dalle. Voilà, je suis en train de mettre du blanc sur mes bracelets et ah, c'est blanc quoi. Alors la musique c'est censé être de l'epic battle. Hein. Je le dis. Hein. Je pense qu'on est au summum de l'epic battle. Hop.
Juste. Vivement les vacances que je trouve le temps de peindre, ça donne envie de faire des mes Marvel en te voyant. Ah, c'est toujours cool les Marvel. C'était quoi ce message là qui vient de passer? Bah zut! Pourquoi ça me... Ah bah c'est super gentil Théodric. C'est super cool. Non mais ça m'a mis le message, ça me l'a enlevé direct quoi. Et bah je te remercie beaucoup, c'est super cool. Attends, je vais essayer de regarder pourquoi ça mini-feed. Bah ouais. Ah putain, cet élément est trop petit pour être affiché. Voilà. Puis ça ne met pas, même pas tout. Bah c'est super gentil, merci à toi. Effectivement, là maintenant je le vois. Alors, on en était où dans notre figure? Ouais. On va éclaircir un petit peu certaines zones de Jean. Hop. Allez, on va faire le socle. Alors, pour ma technique de socle. Ceux qui me suivent depuis un moment connaissez ce fameux couvercle avec pour s'il y a des poils de chat dedans. Donc c'est simplement des pigments, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est des pigments, donc pigments de chez Valero, c'est des pigments secs. Les pigments purs, d'accord. Il y a deux solutions pour les utiliser. Soit vous les utilisez secs comme ça et vous venez tapoter sur vos zones où vous voulez pour faire du weathering. Ça va vous donner un effet poussière. Sinon, il y a l'autre solution qui est ce que je vais faire là, qui est de mettre de l'eau. Mettez pas du diluant, mettez de l'eau. Et vous venez, ça va aller dans les creux. Et quand ça va sécher, ça va stagner dans les creux. Et en fait, ça donne, vous allez voir, un effet un peu... C'est pas boue, je sais pas comment dire, mais ouais, stagnante quoi, poussière stagnante dans les creux. Faut savoir que ça a pas le même rendu qu'un lavis, d'accord? C'est vraiment voilà, c'est vraiment des pigments. Et moi ce que je fais, c'est qu'après, avant que ça soit sec comme ça, je prends un sopalin et je viens essuyer le dessus de mon socle. Faire en sorte qu'il n'y ait que les pigments, voilà, qui soient à l'intérieur des creux. Voilà, et quand ça va sécher, bah, ça fait une espèce de poudre dedans, puis voilà quoi. Et l'autre façon, comme je vous dis, c'est voilà, vous prenez vos pigments à sec et vous venez tapoter. Et, ça marche plutôt bien. Et du coup, je vais faire la même, mais avec des pigments rouges. Je sais pas où ils sont, mes pigments rouges. Ah, ils sont là. Pour la rouille. Bon allez, je go dodo. Écouter et te regarder m'a permis de me remettre doucement à la peinture. Peut-être à bientôt à la JDC. Bonne continuation. Et ben, ravi que ça te motive pour la peinture. C'est le but de faire des lives, en fait. C'est de nous motiver entre nous, d'avoir un petit rendez-vous peinture. Donc, n'hésite pas. Et puis oui, on se reverra bientôt à la JDC, là. À bientôt. Thank you.
laisser sécher. Non mais genre la musique là, on va pas dire qu'elle est libre de droit celle-là. On est d'accord. Après peut-être que c'est de tomber dans le domaine public, j'en sais rien mais... C'est clairement pas une musique libre de droit, alors que c'est dans la playlist libre de droit. Officielle de Twitch. Alors, je vais faire le contour de mon socle et ensuite on va mettre un petit coup de nœud en aéro sur l'arrière pour foncer un peu et après vernis tout simplement. Hop, voilà. Allez, hop, on sèche tout ça. Donc comme je disais, un petit peu de noil. Si je retrouve mon pot de noil. Non, 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 non. Ce n'est pas du noil. Non. Dark Unshed Blue. Noil. Sur l'arrière du socle, on va mettre un peu de... petit coup comme ça pour foncer l'arrière. Là, ce que je vais faire pour éviter de gaspiller le fond d'œil que j'ai, je vais faire pareil sur Thor.
Hop là, vous voyez, ça permet juste de foncer de façon naturelle en fait les choses. Hop. Et ben on va nettoyer ça, un petit coup de vernis, puis on est bon. Ok, nickel. Donc pour expliquer pour ceux qui ne savent pas, donc je mets à l'aéro du vernis mat parce que déjà j'ai envie de matifier ma figurine. Et que je préfère le rendu mat que brillant. Ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà d'uniformiser un peu les couleurs entre elles. Genre les gouttes de la vie qui étaient un peu brillantes, les trucs comme ça. Genre pour enlever l'effet brillant de la contraste, c'est parfait. Ça permet de fixer ben, genre les pigments que j'ai mis sur mes socles. Et le dernier truc, c'est de protéger la figurine. Alors attention, ça protège pas. Des chocs, des trucs comme ça, puisque c'est un vernis à l'aéro. Il faudrait que je mette vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches. Partons, par exemple, pour les traces de doigts, ce genre de choses. Les doigts sur les figurines, c'est ce qu'il y a de pire. C'est vraiment, c'est comme ça que la peinture saute sur les figurines, etc. Et la poussière aussi. J'utilise lequel? J'utilise le vernis acrylique polyuréthane mat de chez Prince Auguste. J'ai du brillant et du satiné aussi, mais moi j'aime pas trop l'effet brillant. Le satiné ça passe. Karim par exemple se couche pratiquement que au vernis satiné. Mais j'ai poursuivi mes tests avec l'Atelun 502, il y a quelques teintures qui méritent franchement qu'on s'y intéresse. Ouais bah il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Quelques teintes. Mais ouais, le vernis, c'est surtout pour les traces de doigts et puis la poussière, les traces de doigts, enfin les doigts on s'en rend pas compte, mais ça nique vraiment la peinture sur les figurines. Voilà. Hop, je vais vous la montrer un peu plus de près. Pour une reprise. Donc ce soir, ce qu'on a vu surtout, c'est un peu la texture du jean. Sinon, le reste, après, c'est du basique, hein, c'est du jaune. La peau noire aussi, donc je sais pas si ça vous plaît. Donc comme je vous ai dit, terre de sienne, vous éclaircissez avec de la chair et vous finissez avec une petite pointe de jaune. Et puis voilà quoi. Ils ont un violet, une tuerie. Le Dark Purple et le Burn Umber sont franchement classe. Les Burn Umber, de manière générale, au niveau teinte, sont vraiment sympas. Enfin, moi je sais que c'est des teintes que j'aime beaucoup. Genre pour faire les contre-lumières dans les métaux, les trucs comme ça. J'en ai 2-3 et ils sont vraiment cool, de manière générale. Peu importe la gamme. Et après bah, le purple ouais à voir. Moi je sais que par exemple c'est tout ce qui est violet tout ça de chez Scale 75 qui est pas mal apprécié aussi.
à cause de leur côté mat. Et en fait, souvent, les violets, c'est vrai qu'on les utilise pour les tissus, ce genre de choses. C'est comme la peinture a un rendu mat, le Burn Amber a un jus pour foncer et top. Bah voilà. Après, tu vois, le vernis mat après. Une fois que t'as fini ta figurine, tu mets un coup de vernis mat, le rendu mat, tu l'as aussi sur ta peinture. Donc, tout est relatif, mais c'est vrai que c'est appréciable des fois d'avoir sa peinture directe. Bah, j'aime pas l'odeur. Bah, ce qui paraît, l'odeur est pas cool, ouais. Justement, c'est ce que Nico Prime rigolait tout à l'heure quand il est venu, en me disant, si t'as plus d'odeur et de goût, comment tu vas différencier la scale 75 du reste, quoi. Tu veux... attends. Je finis de nettoyer mon aéro. Genre, si t'as l'occasion, parce que en vrai, ils sont vraiment bien. Enfin, c'est pareil, c'est des produits qui sont super sympas. Mais donc, les pigments wash comme ça, les wash de chez Valero. Et genre, il y en a un qui est terrible. C'est celui-là. Light Rust Clavier Oxyde Clair. Donc ça, c'est pour faire de l'oxyde, tout ça. Et je m'en sers pour teinter un peu. C'est une couleur un peu orangée. Je sais pas si je peux te montrer. Je vais dézoomer sur la caméra. Non, dézoomer. Hop, c'est une espèce de teinture, tu vois, un peu orangée, comme ça. Et c'est le feu, quoi. Enfin, cette couleur, elle est vraiment chouette, tu vois. Ça donne une couleur vraiment orangée. Et je m'en sers à l'aéro. Sauf que, sincèrement, ça pue de ouf. Mais vraiment, c'est horrible. Tu t'étouffes dans ton appart, quoi. Quand tu passes à l'aéro, ça sent la peinture bas de gamme. Ouais, bah c'est ça, c'est pareil. Ça, tu sens l'odeur du diluant qu'ils ont mis dedans, dégueulasse, quoi. Donc voilà, le petit Luke Cage. Je sais pas si ça vous plaît. Si vous avez des retours, n'hésitez pas. Donc voilà, après, c'est toujours pareil. Hein. Quand on fait des lives, le but, c'est d'avoir une peinture un peu poussée, mais pas trop non plus, qui ne prenne pas trop de temps. Qu'en 2 heures de peinture, on puisse faire quelque chose. Donc là, voilà, le live, je l'ai lancé à 21h, plus tard que d'habitude. Le temps de discuter, tout ça, ça fait à peu près 2 heures de peinture. Quoi. Tandis que la Telum, c'est chocolat, j'adore. Ouais, à ce qui paraît, ouais. C'est une petite odeur de chocolat. Donc, voilà, si jamais... Vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'être venu dans le live après la petite semaine d'absence. Là. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc j'ai chopé le Covid, donc j'étais pas très bien. J'étais pas très frais, on va dire ça comme ça. Donc j'ai eu une semaine sans peinture, sans rien, j'étais couché. Donc c'est vraiment cool de vous revoir, c'est plaisant. Voilà, ça fait du bien de repeindre un peu du Marvel. Et ce... C'est que si tu mélanges une autre gamme comme de la PA, ton rendu reste mat. 2 heures efficaces. Oui, voilà, après, tu sais, c'est 2 heures et demie, puis on discute, c'est à peu près ça, les lives. On commence d'habitude à 20h30, on commence la peinture vers 21h, le temps de, voilà, de discuter, machin, puis entre les interludes, les petites pauses, j'ai pas fait de pause ce soir. Bon, après, comme je disais, j'ai pas repeint depuis une semaine, donc j'avoue que, voilà, c'est un peu long. Je vais essayer de finir le Thor le soir cette semaine tranquillement, comme ça je vous posterai les photos. Monsieur Thor, le plus puissant des Asgardiens. Et puis on va reprendre les votes sur les figurines. Après voilà, comme on disait sur le commentaire, au final on se retrouve plus pour discuter, pour échanger que pour regarder la peinture, mais c'est toujours sympa. Puis je sais que voilà, ça aide certains, donc tant mieux. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, toujours pareil, c'est des vidéos qui sont en partenariat avec les deux boutiques qui sont notées en haut. Hein. Moi, je vais mettre ma tête, d'ailleurs. Hop. Deux boutiques qui sont notées là. Donc, qui-commence.fr et les jeux de la comté, la boutique physique à Besançon, avec le code HelloYurlas. Donc, Hello, comme ça, lui en anglais, Yurlas, Yurlas. Donc, c'est marqué en bas, là, ça défile. Vous avez 10% sur tout ce qui est Game Workshop, Marvel et peinture. Donc, ça comprend que les figurines pour Game Workshop. Donc n'hésitez pas, moi je gagne absolument rien sur ce code, c'est pour vous, c'est pour vous faire profiter si vous avez envie de faire des petits achats. Là maintenant que bah, les boutiques sont ouvertes, tout ça, physiquement, on va pouvoir recommencer les parties, revoir un peu du monde. Donc pour ceux qui sont de Besançon, de la région, on se recroisera sûrement au jeu de la comté.
Et puis pour les autres, on se retrouve, si je dis pas de bêtises, normalement dimanche soir pour le battle de peintre avec Merlin Papin. On va continuer à Badon et Guilman. Et puis sinon, bah, tous les mercredis soirs, comme d'hab, le Marvel Day. Je vais peut-être réfléchir à faire un troisième live dans la semaine, mais c'est toujours pareil. Ça va être un peu compliqué. En septembre, je recommence les activités pro. Donc quand je dis les activités pro, je suis peintre pro, mais les activités pro avec les boutiques, tout ça, donc le temps n'est pas le même. Alors que là, je suis full chez moi, à peindre que pour moi, donc voilà. Sur le MCP, Token nous fait des tarifs hyper soft. Ah ben ouais, 20% sur du MCP, c'est plutôt correct, quoi. Après, globalement, à peu près toutes les boutiques, ça en va au même. Quand les gens font pas des promos, ils ont des tarifs un peu plus bas. Enfin, je prends l'exemple, si on compare à Wargame Spirit ou Maxi Rêve, en fait, ils ont déjà des tarifs un peu plus bas sans code. Mais du coup, il n'y a pas de code, donc ça revient à peu près au même, à 1 euro près, quoi. Donc à vous de choisir la boutique que vous préférez. Et puis, n'hésitez pas, voilà. Alors, pour info, pour qui commence, c'est un truc que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas toutes les refs sur le site, mais ils les ont toutes. En fait, il y a un bug sur certaines références, dont les références Marvel Crisis Protocol, qui fait qu'en fait, il y a des produits qui sont notés comme épuisés et qui sont pas épuisés. Et carrément, normalement, quand c'est épuisé, il est censé laisser le produit affiché sur le site. Sauf que là, en fait, comme le produit n'a jamais été mis en vente, bah du coup, voilà, il est même pas affiché. Donc il manque des refs alors qu'ils les ont en stock. Donc c'est en train d'être corrigé. Donc par exemple, normalement, ils ont des Doctor Strange, et MODOK et des Ghost Rider. Sachant que Strange, j'ai pas mal recherché. Donc je sais pas quand est-ce que ça sera corrigé, je vous avoue. On a vu ça la dernière fois, puis Johan et Julien m'ont confirmé qu'effectivement il y avait un souci. Donc voilà. Et donc je vais appeler pour ce qu'il me manque. Pourquoi t'as eu des soucis sur tes commandes? Après, je sais que Johan était en vacances là cette semaine. Donc c'est Julien qui faisait les commandes, donc je sais pas. Mais n'hésite pas, tu les appelles et puis voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent la boutique, si vous avez un souci, vous les appelez, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Non, mais je cherchais un Ghost Spider et un Wolverine. Alors Wolverine, ils l'ont, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai vu, il est en stock, il est en stock dans le sens où tu peux le commander. Par contre, effectivement, Ghost Spider, j'ai un doute, Ghost Rider, c'est sûr qu'il y est pas alors qu'ils l'ont en stock. T'as Angela, il manque, les MODOK, il y a marqué épuisé alors qu'ils en ont. En fait, il y a plein de références, en gros, toutes les vieilles références, il y a marqué épuisé alors qu'ils les ont. Ghost Rider, pardon, yes. Bah apparemment, il l'a. Ils m'ont dit qu'ils en avaient plus d'une quinzaine, mais voilà, il n'est pas sur le site. Donc, comme je dis, je sais pas quand est-ce que ça sera corrigé, mais j'avoue que même moi, j'aimerais bien que ça soit corrigé, parce que, bah, en gros, il me manque MODOK, Strange et Ghost Rider sur les vieilles refs. Sinon, j'ai tout. Enfin, j'ai tout le Marvel. Et puis, comme ils les ont en stock, je ne vais pas m'amuser à commander ailleurs, entre guillemets. Par contre, bah, le problème, c'est que du coup, j'attends. J'attends. Bah voilà. Tu sais s'ils vont l'ouvrir, leur boutique, en réel? Ah bah, normalement, c'est prévu, puisque justement, je dois bosser avec eux. Hein. Je serai leur peintre, le peintre de la boutique. C'est moi qui dois donner les cours et puis peindre les figurines de la boutique. Donc, voilà. Après, physiquement, je sais que moi, en gros, je dois être embauché donc à mi-temps avec eux, à partir de septembre, normalement, si je dis pas de bêtises. Et la boutique devrait ouvrir soit fin d'année, soit début d'année prochaine, sachant que je crois qu'ils espéraient ouvrir fin d'année. Mais le problème, c'est toujours pareil, il y a des travaux, tout ça, puis ben, tu sais, les permis avec le Covid et tout, c'est un peu la merde. Tu me rediras ça, je viendrai vous voir. Oui, bah après, voilà. Normalement, s'il n'y a pas de soucis annexes au projet, c'est censé se faire. Après, quand c'est toujours le problème, quoi. Ça fait déjà 2 ans qu'elle doit ouvrir. Puis ça a été repoussé à cause de toutes les conneries de Covid et tout ça. Donc, mais ouais. Alors, on va regarder chez qui on vous envoie. Twitch Dashboard. Hop, on va regarder qui a le présent ce soir. Allez. Là, il a du mal mon dashboard là.
Alors, lancer un raid sur une chaîne. Alpha Cast, assez miniature. Tudor Schwanbrosch. Et pas fait Guincho TV. Alors, assez miniature, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait. Je suis en train de regarder. Non, c'est une chaîne anglaise. Il est en train de peindre. Je sais pas ce que c'est, un écran, un truc comme ça. Et du coup, on avait qui? Tudor Schwanbrosch. Ah yes, notre ami anglais qui. Il est en train de peindre une espèce de machin. Il n'y a que des anglais là. Pas de français. Call of Duty, non. Pas du Space Marine, le monsieur là. Pas fait le Grincho TV, je sais plus s'il est français ou pas lui. Oh attendez, on va regarder ça. Aïe aïe aïe. Bon écoutez, je vous propose de vous envoyer chez lui. Je vous ai jamais envoyé chez lui. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Comme je vous dis, on se retrouve dimanche soir pour le Battle de Peintre avec Merlin Papin, Guilliman. Ah, il ne ressemble à quoi ton cage? Ah ben, avant de t'en aller, m'en aller, hop. Il ressemble à ça. Ouais, j'ai mon clavier dessous du coup. Hop, on va zoomer un peu. Voilà, Monsieur Cage fini. Allez, bon, moi je vous dis bonne soirée, je vous fais des bisous et à bientôt. Je vais aller me reposer. Je vous lance le raid. Hein.